Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent s'est déchaîné et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au Psaume chapitre 63, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 63. Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie, sur mes lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et non ce que nous voudrions. Nous sommes venus à toi avec une détermination sauvage, avec assurance de pouvoir te servir et te louer comme toi tu le veux, et non pas comme nous pouvons le désirer, Père. Sois béni encore ce soir, mon bien-aimé Père Dieu, pour la grâce que nous avons de pouvoir être rassemblés encore en cet endroit. Seigneur, nous te remercions, Père Dieu, pour le souffle de vie. Et Seigneur Dieu, pour la grâce de voir réellement te connaître, et surtout que nos cœurs et nos âmes ont été touchés encore au travers des chants et des cantiques que nous avons chantés en cet endroit. Seigneur, nous ne sommes pas des perroquets, mais nous sommes des hommes que tu as créés, que tu as donné la grâce d'avoir l'amour dans leur cœur pour t'exprimer réellement ce que nous ressentons, Père. Nous ne chantons pas répétant des paroles, mon bien-aimé Père Tibissant, mais nous voulons bien exprimer réellement au travers de ces chants ce que nous avons dans notre cœur pour toi. Sois béni encore ce soir, mon roi. Merci pour ton soutien. Merci encore pour ton pardon. Merci encore pour ta grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et merci encore pour ta lumière qui nous éclaire encore dans ce temps du soir dans lequel nous
vivant aussi, mon sauveur béni. Tu as fait de nous un peuple, mon roi, que tu as mis à part, mon bénémoine Père Dieu, pour faire l'histoire dans ce temps où nous sommes. Sois donc béni, exalté, Seigneur, pour ta puissance et ton autorité, Seigneur, que tu as sur chacun de nous, bénémoine Père du Puissant Dieu, et domine encore davantage, mon roi, et sois le maître, mon bénémoine Père Dieu. Merci encore pour ce que tu fais, Seigneur. Merci réellement aussi pour ta bonté à notre endroit. Bénis richement notre précieux frère Christian. Merci de l'avoir vraiment aussi conduit encore ce soir. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu fais, Seigneur. Pour chaque antique qui a été chanté, bénémoine Père Tibissant, pour chaque témoignage, bénémoine Père Dieu, chaque cri de cœur encore s'élevé encore ce soir, Seigneur. Si nous ne le faisons pas pour toi, pour qui le ferons-nous encore, mon sauveur? Merci pour ton amour et ta grâce et ta bonté. Nous t'aimons, cela est vrai et sincère dans notre cœur. Et nous voulons encore t'aimer encore plus que cela, Père. Béni sois-tu encore pour tout ce que tu fais. Béni nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion, nos enfants, nos petits-enfants, Père Saint-Dieu, nos bien-aimés partout, encore à différents lieux où ils sont. Seigneur, que la foi puisse être augmentée encore davantage et la joie d'être à toi, mon bien-aimé, la consolation, bien-aimé, Père Tibissant, qui vient aussi de ta part. Nous te remercions pour cela, mon roi, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit célébré et qu'il soit aimé de tout le cœur et désiré de toute âme aussi. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous désirons, et de tout notre cœur, c'est le souhait de notre cœur et le désir profond, c'est que nous puissions un jour le voir. Comme les cantiques l'ont dit, je désire le voir face à face. Or, c'est toujours là les désirs profonds de tout croyant, tout enfant de Dieu, tout celui qui aime ces dieux de la Bible, effectivement. C'était aussi les désirs de Moïse aussi, qui lui entendait parler, effectivement, aussi comment lui parler. Et ces jours-là aussi, il a eu les désirs simplement, dit Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pouvoir quand même que te voir, effectivement, aussi. Nous désirons que le Seigneur nous prions pour qu'il nous aide, que nous puissions tenir jusqu'au bout parce que nous combattons et effectivement parce que nous désirons que ces jours-là nous puissions le voir. Nous avons cette soif dans notre cœur. Si cela n'est pas, nous ne pouvons pas réellement aussi arriver à pouvoir persévérer et à pouvoir réellement aussi tenir ferme. Vous savez, c'est parce que nous avons un but qui vraiment nous voulons atteindre, effectivement. C'est pour ça que nous pouvons réellement persévérer, et surtout parce que nous savons que c'est la chose que nous désirons et que nous voulons le voir. Souvenez-vous toujours de la femme syrophénicienne. Elle avait réellement aussi un but à pouvoir atteindre. Peu importe ce qui pouvait être sur son chemin, il voulait que ce Jésus lui donne ce qu'il désirait tant. C'était que la vie de sa fille, effectivement, que sa fille soit vraiment en bonne santé aussi et délivrée. Et elle a aussi obtenu cela. Si elle a obtenu, c'est qu'elle avait comme désir qui était noble, effectivement, aussi aux yeux du Seigneur, c'est-à-dire prier pour ceux qui lui sont chers, effectivement, implorer la grâce du Seigneur pour son enfant qui était tourmenté par les démons. Et le Seigneur le lui a accordé parce qu'il voulait d'abord voir, en réalité, ce que cette femme avait au plus profond de son cœur. Et cela me rappelle aussi cette femme que nous aimons, évidemment, j'aime beaucoup aussi la tsunamite. Vous voyez, malgré l'état qu'elle pouvait voir de son propre fils, effectivement, elle y est restée attachée jusqu'à ce qu'elle voulait aller là où elle savait que cet enfant n'est pas venu de quelqu'un d'autre, il n'est pas venu de ma situation, mais c'est ce Dieu-là qui m'a donné cela. Alors, ce Dieu est capable de redonner réellement aussi la vie. Mais ça, c'est vraiment la foi. Et ça, c'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi, mon frère et ma soeur. Et cette femme est quand même extraordinaire de voir que son propre enfant, il est mort, il ne respirait plus, mais il avait toujours l'espérance. Que c'est Dieu qui lui a donné effectivement la vie, parce qu'elle ne pouvait pas l'avoir, mais lui a donné cet enfant, avait la capacité aussi de pouvoir ressusciter aussi les morts. Il faut croire, hein. Vraiment avoir, c'est vrai, c'était dans un moment, vous savez, un désespoir complet, en fait. Il n'y avait pas, effectivement, aussi d'issue d'une certaine manière, humainement parlant, mais elle n'a pas regardé, en fait, à l'obstacle qui était là. Elle a eu à pouvoir se souvenir de quelque chose. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin de la parole de Dieu. Est-ce que le Seigneur nous parle davantage? C'est pour ça qu'il a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il a insisté en disant l'Esprit de vérité, qui lui vous conduira. En fait, nous ne pouvons pas avoir peur, en fait. Parce que s'il est là, il va toujours nous conduire dans la vérité. Et puis il a dit, il vous rappellera. Amen.
toutes ces choses que je vous ai réellement aussi annoncées. Parce que nous savons ce qu'il a eu à pouvoir déclarer en rapport avec eux. Mais il a toujours eu à pouvoir nous donner l'assurance et la certitude pour ceux qui sont des croyants. C'est pour ça, sortez du soi-disant de peut-être de ceci pour rentrer dans la réalité et d'avoir dans la certitude. C'est-à-dire que avoir la foi. Vous savez, nous l'avons entendu aussi, certainement, c'est vrai, et c'est écrit dans les Saintes Écritures, que sans la foi, il est absolument impossible. Tu ne peux pas être tu l'as dit, et puis sans la foi, ça ne sert à rien. Et tant si tu chantes des cantiques, mais tu ne crois pas. Réfléchis un tout petit peu à quoi ça te sert. De pouvoir crier envers ces dieux, effectivement, auxquels tu ne crois même pas. C'est pour ça que nous avons besoin de pouvoir avoir la foi. Il y a un cantique qui dit « Quel sauveur merveilleux je possède. » Est-ce qu'il est vraiment merveilleux pour toi? Il est merveilleux. Tout à l'heure, il a chanté « Jésus, ma lumière, ma gloire. » Illumination. Jésus, ma victoire. Est-ce qu'il est vraiment pour toi? Gloire à Dieu. Sœur, ne sois plus triste. Mon frère, ne sois plus triste. Peu importe la situation, mais nous avons un Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Si Jésus n'existait pas. Alléluia. Oh, frère. Le monde n'aura plus de sens. Ah, que son nom soit béni, parce qu'il existe, mon frère. Alors, je suis heureux. Ah, qu'il soit béni, mon frère. Comment ça sera quand il descendra? Comment ça sera quand nous le verrons, mon frère? Alors, il est merveilleux. C'est pour ça qu'il faut que j'accepte de souffrir pour lui. Pour que ces jours-là, qu'il dise, Seigneur, je pleurerai pour toi. Je t'ai désiré tant plus que toute autre chose. C'est Jésus de Nazareth, le plus beau parmi les milliers. Il est tout pour nous. C'est merveilleux de le chanter, hein, avec autant de reconnaissance pour ce qu'il est. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais il est tellement merveilleux. Gloire à son nom, parce qu'il nous a donné quelque chose de merveilleux, c'est sa parole. Et dans les Saintes Écritures. Oh, qu'il soit béni pour les consolations. Vous savez, il nous a donné des choses que parfois nous ne regardons pas tellement très bien. Mes frères et sœurs, on doit être heureux. Ah oui, ah oui. J'aime cela, la Bible dit, mais le souffrance du temps présent dans lequel toi et moi nous passons ne saurait être comparé. Oh oui, à la gloire qui t'est réservée. C'est pour ça que Satan se déchaîne. C'est pour ça que les démons, oui, bien sûr, ils savent que ce que toi, tu vas vivre, ils ne pourront plus jamais. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions être zélés. Quand tu viens dans sa maison, mets-toi à l'extérieur. Que tu sois là pour l'aimer. Plus de distractions, plus d'autres choses. Mais c'est vrai, frère. Vous savez, notre sœur me disait, c'était hier, c'était dimanche de mon bureau. Et elle est à l'écoute maintenant. Elle disait, mais voilà, j'ai dit, ce matin, j'ai écouté, mais je n'avais pas très bien de tout à voir, effectivement, parce que j'ai devais m'occuper des enfants, de nourrir les enfants, tout ça. C'était dans mon bureau dimanche. Elle m'a expliqué cela. J'ai devais nourrir les enfants, tout ça. Sincèrement, j'ai dit, ça, c'est une grosse erreur. Vous mettez trop d'attention sur les enfants. Ah oui, c'est ça le grand problème. Avec... Le Seigneur aime bien les enfants, parce qu'il vous les donne. Mais quand vous prêtez de l'attention, parce que le diable, il est très, très rusé. J'ai dit, ma soeur, c'est la grosse erreur que tu as commise. Même si les enfants, parce que les enfants devaient imaginer, mais même si les enfants devaient être affamés pendant un moment, c'est à ce moment-là que tu dois le faire. Ah oui. Ah oui, frère. Pourquoi? Vous savez, je voulais déjà parler ici, quand on prend les avions. Alors, vous voyez les hôtesses là qui se mettent devant.
Ah, ils expliquent effectivement, en cas de dépressurisation, les masques à gaz, les masques oxygène vont tomber. Et comme vous êtes avec, vous vous souvenez, hein? Si vous avez déjà voyagé, vous connaissez, non? En cas de dépressurisation, hein? C'est-à-dire pas d'oxygène dans l'avion. Il dit, mais vous avez un enfant, vous le tenez effectivement, mais avant de pouvoir aller vers cet enfant pour lui mettre le masque, mettez-vous d'abord le masque. Parce que quand vous avez mis le masque sur vous, alors vous pouvez maintenant aussi aider la personne qui est à côté de vous. Même votre bébé, là. Ah oui, vous avez d'abord besoin de voir le masque pour pouvoir arriver à pouvoir lui placer le masque de la bonne main. Parce qu'il voulait qu'il vive. Et si toi, tu ne vis pas, comment il va vivre? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, ça m'avait toujours frappé. Mais en fait, je ne sais pas plus ce qu'il va faire. Mais en cas de personnalisation, je cours d'abord vers mon enfant. Et puis après, je réfléchis. J'ai dit, mais c'est vrai qu'ils ont raison. Et puis, bon, si on extrapole cela, mais si toi, tu n'es pas sauvé, comment tu vas sauver ton enfant? Si toi, tu n'écoutes même pas la parole de Dieu, comment ta maison sera? Mais ce n'est pas normal que tu sois là, t'occuper du bébé. Ce bébé a besoin que toi, tu sois fort dans le domaine spirituel pour que quand même le problème viendra à la maison. Papa n'est pas là, tu es avec le bébé. Dis donc, j'ai entendu. Mais là, je dois prier pour mon bébé. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous puissiez être armé. Vous savez, vous ne vous rendez pas compte, frères et sœurs, qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand vous êtes tellement accroché à ce qui est de Dieu, les démons qui sont autour, ils sentent la présence. Vous savez que vous ne regardez pas ce qu'il y a autour de vous. Quand il veut secouer le bébé, la présence du Seigneur que vous êtes tellement accroché là, fait que le bébé se maintient bien. Oui, occupez-vous de Dieu, il va s'occuper du bébé. Alléluia. Oui, monsieur. J'aime le Seigneur, mon frère. Vous vous souvenez, frères et sœurs, avec la veuve de Sarepta? On dirait que ce prophète ici, il est méchant, il est mauvais, il s'occupe de son estomac. Il dit, non, va d'abord faire pour moi. Il dit, mais mon enfant, vous allez me dire, non, j'ai dit, va d'abord faire pour moi. Occupe-toi d'abord de mon estomac. C'est vrai, non? Vous savez qui s'est occupé de son estomac, non? Qu'est-ce qui est passé après? L'enfant a vécu. Vous savez, c'est un paradoxe pour l'être humain. Vous allez dire, oui, il est un homme de Dieu, il vient là, non, pas moi, donne d'abord. Non, Dieu avait dit que j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Il n'a pas dit que la veuve va mourir, non. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et les prophètes le savaient, que Dieu a dit, tu ne vas pas mourir. Il n'a pas dit comme ça, il dit, mais va d'abord. Fais pour moi, si tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, alors tu seras béni. Alléluia. Gloire à Dieu, mon frère. C'est ça, nous avons, vous savez, les habitudes nous tuent. L'humanité nous tue tellement parce qu'on pense selon l'humain. Pensons d'abord Dieu à la place qu'il doit être. Les choses rentrent dans l'ordre. Nos bébés, nos enfants, ceci, et cela. Et j'ai toujours eu à pouvoir. J'ai dit, mais vous savez, quand on regarde à peu près l'histoire de Job, c'est quelque chose de très frappant. Ah, que Dieu nous aide. Quand je regarde, ça dit, Seigneur, nous ne sommes pas encore arrivés. Vous vous rendez compte qu'il y a eu des hommes sur cette terre et qui n'étaient pas vraiment à l'époque à laquelle nous nous trouvons. Parce que nous, cette époque à laquelle nous nous trouvons, c'est une époque extraordinairement merveilleuse. Oui, à laquelle tous les saints et les prophètes auraient désiré. Oui, frères et sœurs. Ah oui, c'est... Vous comprenez pour quelle raison? Ah oui. Parce que Job, lui, il a eu à pouvoir le voir de loin. Vous vous souvenez? Amen. Parce que quand il est descendu tellement dans les bas que Satan a dit, maintenant je t'achève. Et vous vous souvenez de l'avant-dernier dimanche, amen. Je pense, oui, je t'achève. Et même tous les amis que tu vois, là, ils disent, tous, j'ai travaillé. Vous comprenez cela, non? Il n'avait plus personne. C'est vrai. Alors c'est comme s'il descendait avec des bouées autour des bras, et puis au pied, avec des boulets qu'il amenait dans le bas-fond. Vous savez quand même qu'un homme qui passe par de moments, un homme ou une femme, un frère ou une soeur, qui passe par de moments d'épreuve, il a quand même besoin de l'attention de son frère, l'attention de sa soeur, une parole de consolation, pas toujours une parole de condamnation, même s'il a eu un problème. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être des gens qui condamnent, vous comprenez cela?
Nous avons toujours entendu, il a dit, soyez donc miséricordieux. Comme des élus de Dieu. Et bien aimé, remettez-vous dans l'entraille de... Ça, c'est quelque chose qui doit nous animer. Alors, pendant qu'il descendait, on l'a tellement accablé, on a tellement eu à pouvoir, et l'homme est là. C'est quand tout le monde t'a abandonné. Ou tu ne sais plus où, à quoi, à quel bouée s'accrocher. C'est à ce moment-là qu'il vient. Ah, nous le chantons. Quel ami fidèle est allez, alléluia. Frères et sœurs, nous n'avons pas une religion qu'on doit suivre. Mais c'est la réalité et la vérité à laquelle nous sommes, frères. Avec Jésus, ce n'est pas une religion. Mais pour nous, c'est la vérité. Nous marchons avec lui. Quand on dit quel ami fidèle et tendre, on réalise qu'effectivement, qu'en dehors de lui... Ah, qu'il nous aide à pouvoir comprendre, nous allons lire, qu'il nous aide à pouvoir comprendre l'importance de pouvoir vraiment le connaître, mais vraiment dans la puissance de sa résurrection. Pas comme une répétition, mais que toi-même, tu es inhibé. Il dit, mais j'avais entendu parler de ce Jésus. Aujourd'hui, il m'a prouvé qu'il était mon Jésus. Et c'est cela que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui disait, je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, dit vous, mes enfants. Oui, ah oui, ah oui, mon frère, c'est le plus grand bonheur, comme il nous dit, mais Christ en vous. Amen. L'espérance de la gloire. Alléluia. Oui, monsieur. C'est pour ça qu'on parle d'Abraham, mais espérant contre toute espérance. Il avait quelque chose en lui. Ah oui, monsieur. Il fait que, comme disait la femme, comme un bouet de ce métal, c'est que cette chose-là faisait que quand on l'enfonçait dans le, qu'il aille dans la mer plus bas, ça le faisait remonter au-dessus. On a affaire à enfoncer, enfoncer, mais on voit toujours le revient au-dessus. Alléluia! Le corps dit, je t'enfonce, Abraham revient. Ah oui, bien sûr que oui. Amen, amen. Que nous soyons comme ceux-là. Que les problèmes viennent, m'enfoncent et puis je remonte. Et mais comment ça se fait que tu ne vas pas dans le fond? Je ne peux pas parce que à l'intérieur, c'est toujours comme un bateau flotté. Oui, toujours, on dit, mais on t'enfonce, on t'enfonce. Et mais tu remontes toujours. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Et on l'abandonne. Alléluia. Oh oui, mon frère et ma soeur. On a fait tout pour les décourager, ça ne marche pas. Mais c'est la flottaison. Oui. Amen. Eh oui, notre Dieu est bon. Il a placé cela en toi. Ah oui. Et tu l'as cela en toi, mon frère. C'est pour ça que tu t'assis en cet endroit. Parce que si tu ne l'avais pas, tu serais dans la rue aujourd'hui. Mais c'est ce que là a placé en toi. Qui fait que même les démons peuvent venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, qu'il soit béni, notre Dieu. Frères et sœurs, j'ai dit, mais où est-ce que je peux trouver le bonheur dans ce monde? Il n'y en a pas. Et c'est une grâce extraordinaire et merveilleuse. Alors que... pensait qu'on l'avait vraiment déjà hein, complètement, parce que le diable a dit, lui s'est dit, maintenant j'ai même placé du béton dessus, et là il ne pourra même plus savoir où respirer. Ah, il est bon. Il dit, ici c'est fini parce que j'ai tout barricadé partout. Gloire à Dieu. Oh, mon frère et ma soeur. C'est une grâce que Dieu nous s'est fait connaître à nous, mon frère. Parce que si toi, tu savais ce sauveur que tu possèdes, c'est qu'il est frère. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Mais écoutez ce que cet homme, Pierre, a eu à pouvoir dire de lui. Parce qu'il vint vers Corneille. Vous vous souvenez? Quand Corneille tombait à genoux pour pouvoir, cet homme ne pouvait pas accepter qu'on tombe à genoux devant lui. Non, jamais. Il dit, je suis un homme comme toi. Comme toi. Alléluia. Il dit, mais lève-toi. Et puis il dit, Dieu m'a appris. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, un homme comme ça que Dieu a déjà changé comme ça. Où est-ce que vous allez même l'enfermer? Et je vous ai déjà raconté ce témoignage que j'ai aussi entendu. C'était un papa qui a eu à pouvoir entendre parler du Seigneur. Il a accepté le Seigneur de tout son cœur et toute son âme. Alors il aimait tant être allé donc à la réunion, tout ça. Et quand il allait ou quand il revenait à la maison, lorsqu'il prenait sa Bible, mon Dieu d'amour, il était tellement heureux. Il criait, il parlait à ses enfants. Il avait une fille, effectivement, aussi à la maison. Là, quand il prenait la Bible comme ça, il lisait. Et puis, il entend sa mère, qui est qu'on dit, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais regarde ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire. Pour... Donc, la jeune demoiselle était tellement dépassée que, bon, comme elle était de la classe des snobs. Des snobs, parce que bon, vous savez, les snobs aiment tellement dans certains niveaux où d'un groupe de rassemblement, ils peuvent se retrouver. Quand ils boivent du thé, ils vont tenir la tasse d'une certaine manière. On dit la classe est supérieure. Bon, bref, c'est leur. Et quand les gens sont autour de lui, ils ne doivent pas être. Enfin, même la réponse que sa famille est une famille noble, ceci et cela, pas des gens comme des dingues, comme on dit, d'une certaine manière ou d'une autre. Oui, parce que nous, on est comme des problématiques. Alors, parce que ces jours-là, il a vu son papa était vraiment dans un état pas possible, parce que chaque fois qu'il avait la Bible, en tout cas, toute la journée entière, on entendait seulement des cris. Il sautait, il était tellement heureux parce qu'il vient de voir ce que le Seigneur a fait pour lui. Alors il s'était dit, bon, comme je vais inviter mes amis, la classe noble, s'ils viennent trouver mon papa aussi comme ça, ils vont dire que nous sommes la famille des dingues. Alors, oui, parce qu'ils vont le trouver toujours avec la Bible, il crie tout le temps, effectivement, ainsi de suite, il dit, ben, je vais faire quelque chose, comme je vais les inviter, parce que quand papa a cette livre-là, entre ses mains, la maison bouge tout le temps. Alors je vais faire ceci. Je vais faire en sorte que quand ils vont venir, ils trouvent que moi je suis de la classe supérieure et que dans ma famille aussi, c'est la classe supérieure. Il dit, la personne qui va me déranger, c'est mon papa. Alors je vais prendre mon papa, aller l'enfermer dans la mansarde. Et là, je prends sa Bible, donc son livre préféré, je ferme dans le tiroir, effectivement, comme ça, pendant le temps que mes amis sont ici. Et puisqu'il n'a pas son livre, alors tout va bien se passer. Alors, il a fait cela, il a fait monter. Il dit à papa, écoute, il y a des gens qui vont venir. Tu sais, toi, tu n'aimes pas ce genre de personnes. Hein. Toi, tu aimes des personnes qui, hein, différemment. Ceux-là sont un peu des personnes que toi, tu n'aimerais pas. Alors, pour ne pas te mettre dans les mauvaises conditions, tu restes en haut. Et alors, comme tu es en haut, il a dit, mais il a prévu de mettre tous les livres, en fait, les livres de géographie, les livres avec des poissons. Il dit, mais papa, comme tu es là, regarde un peu tout ça, hein, parce que bon, elle a pris sa Bible et l'a enfermée quelque part. Elle savait que si papa restait simplement avec des livres de poissons et tout ça, il n'y a rien qui est intéressant dans le poisson. Bon, elle a enfermé le papa, elle a reçu ses amis. Et c'est au moment où les amis commencent à prendre les cafés, biscuits de thé, on entend dans la mansarde, alléluia, la mansarde qui bougeait, qui tournait, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe quand même ici? Elle dit, mon Dieu, mais mon papa, je l'avais enfermé, il n'a pas son livre. Il n'a pas son livre là pour quand même dire que mon Dieu a fait, je l'ai ici, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, je l'avais enfermé pour qu'il ne puisse pas quand même me déshonorer. Alors il disait, attendez, je vais voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Et puis, il court là-bas, il trouve son papa en train de faire 500 pas dans la mansarde. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, il est tellement grand. Mais qui est tellement grand? Il dit, oh,
Il dit, mais Dieu est grand. Il dit, mais papa, ton livre, je l'ai enfermé en bas. Il dit, mais j'ai. Il dit, ma fille, tu as enfermé ton livre en bas. Mais j'ai trouvé un livre ici. Le livre de géographie. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il dit, mais j'ai vu l'océan. Et la Bible dit qu'il a jeté mes péchés à la mer de l'océan, la mer de l'oubli. Il dit, quand j'ai mesuré la profondeur de l'océan, j'ai dit, mais Seigneur, tous mes péchés, alléluia, l'océan est tellement si profond dont tu l'as jeté là-dedans. Oh. Il dit, je ne peux que glorifier ce Dieu. Non, avec n'importe quel document que vous trouvez, vous pouvez que louer Dieu en fait. Vous voyez, en fait, Dieu, nous le trouvons partout. Quand je me lève le matin, je vois les oiseaux qui sont sur le toit. J'ai dit, quelle grandeur. Seigneur, tu peux créer ces oiseaux comme ça. Ils ont des ailes. Quand ils battent, ils peuvent s'envoler. Et j'ai une expérience. Chez moi, à la maison, avant, nous avons des poules. Oui. Et vous savez ce qui m'étonne? J'ai dit, Dieu est grand. Et j'achète la nourriture des poules. C'est des grains. Alors, je me lève et j'ai dit, bon, je sors, bon, je prends un exemple, je prends la nourriture des poules, effectivement, on prend la nourriture des poules, on jette simplement, on met simplement dans la cuve comme ça. Mon frère et ma soeur, les oiseaux sont tellement loin, mais dans l'instant on met les graines, je vous dis la vérité, hein, vous voyez, alors je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils savent qu'il y a les grains là-bas? Alors j'ai compris qu'ils avaient quand même l'odorat. Donc, alors, je le vois là, le matin, et puis je vois différents, les petits moineaux, les colombes, effectivement, et je m'assieds, je regarde simplement, je dis, Seigneur. Et puis, une pensée me dit, ah, et je viens vers lui, je dis, Seigneur, ah, tu as dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Hein, ils n'ont pas de grenier, mais c'est toi qui les nourris. Alors, je comprends que par moi, tu nourris les oiseaux. Alors, j'ai dit, achetons des sacs. Un sac pour les poules. Un sac poule. Oui, c'est comme ça qu'on est à la maison. Alors, on aime bien voir effectivement les oiseaux descendre effectivement là-dedans. Et c'est vrai, frères et sœurs. C'est une chose importante que nous puissions comprendre que Dieu, par toi, il accomplit sa parole. Bien sûr que oui. Vous n'avez jamais remarqué, ça m'a toujours frappé effectivement, c'est de voir que les gens qui ne sont même pas des croyants, ils vont acheter la nourriture pour les oiseaux pour les pendre à l'arbre. C'est leur joie. Mais en fait, c'est Dieu qui utilise ces personnes pour nourrir les oiseaux. Alors si Dieu peut m'utiliser moi aussi pour nourrir les oiseaux, quel bonheur. Parce que je sais que là derrière, il y a une bénédiction. C'est nécessaire. Et ça, c'est quand même important pour nous. Que nous puissions quand même réaliser que dans notre vie de tous les jours, mon frère et ma soeur, même si les gens sont sur Internet, regardez n'importe quoi, effectivement, j'ai dit, vous avez le droit. Mais quand même, même quand si le monde est devenu électronique, et ça je pensais à un certain moment, je reviens dans ce que nous avons lieu à nous lire, j'ai pensé à un certain moment, et ça m'avait frappé en fait, quand je suis parti, c'était en Madagascar. J'ai dormi dans des conditions, vous ne pouvez pas imaginer, je dormais parfois avec des vaches à côté, et avec, oui frère, pour annoncer l'évangile, ah oui, on a dormi, il y avait des sacs de grains, où il y avait des rats qui étaient juste à côté de vous, mais vous dormez. Et j'ai dormi dans des endroits où tu dors ici, la toilette, elle se trouve là-bas, vous dépassez. Oui, je vous dis la vérité. Donc, et c'est tout. Vous voyez, vous sortez de l'assemblée, hein. Vous allez là-bas, chez l'épicier qui est là-bas. Et je devais me lever à 2h ou 3h du matin quand je devais. Et on ouvrait la porte avec une torche. Pour aller voir, parce que c'est dans les trous, hein. C'est dangereux. Et si vous ne voyez pas tellement le trou, et vous pouvez vous retrouver vous dans les trous. C'est, je ne dis pas ça pour, mais c'est la vérité, frère et sœur. Et en plus, les toilettes de ce continent-là, vous savez, c'est avec des branches. Et vous pesez peut-être 100 kilos. Même pour aller là-bas, vous priez, parce que vous ne savez pas si la terre a été déjà ramollie par des mythes dedans, en dessous. Vous ne pouvez pas vous imaginer, frères et sœurs, combien nous prions Dieu tous les jours. Quand on est en voyage missionnaire, maman, je voudrais que j'ai dormi dans des endroits où on devait fermer la porte, hein, avec un petit clou. J'ai vécu des choses que, quand les gens disent, oh, vous savez, servir Dieu, hein, c'est pas que, oh, on monte, on va dormir dans le grand matelas. Non, messieurs,
Vous je vous ai déjà dit ici, je suis parti, c'était encore parce qu'à Madagascar, j'allais même dans le fin fond. J'ai dormi quelque part. Vous savez où est-ce que j'ai dormi? Dans un truc comme ça qu'on m'a mis. Moi, je ne savais pas. J'ai quand même dormi parce qu'il n'y avait pas un autre endroit. Et je vous assure que le matin, quand je me suis réveillé, aïe, 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 vous ne pouvez pas me regarder. Mon corps ici était plein de boutons. J'avais des picots par-ci, par-là, par-là, par-là. C'était quoi? J'ai dormi à un endroit où les chiens dormaient. C'était, oui, 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 parce que... Et je vous assure que quand même, je suis revenu ici, chez nous. Et ça, j'ai dit la vérité, le Seigneur m'est témoin. Je suis revenu, je commençais à sentir quelque chose qui me démangeait ici. Votre sœur, elle est témoin. Ah, j'ai commencé à dire, mais parce que ces jours-là, je crois que j'ai dormi à différents endroits et les picots m'ont piqué. Je ne sais pas n'importe qui m'avait piqué, mais j'étais. Dieu m'a épargné pour ne pas que mon visage soit gonflé. Mais tout le corps ici, n'imaginez pas. J'avais des rouges partout, mais regardez bien. Et puis maintenant, j'arrive à la maison, j'ai dormi la nuit, j'ai bon pris une bonne douche quand je suis arrivé. Hein. J'ai dit, maintenant, comme ça, mais non, au milieu de la nuit, ça a commencé à démanger. Où c'est ici? J'ai démangé. J'ai dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as beau gratter, ça ne change pas, c'est toujours pour. Et puis, j'ai dit, bon, je vais quand même regarder. Frère et soeur, j'ouvre la chemise, je regarde, je vois un truc gonflé. Je dis, qu'est-ce qui se passe comme ça? Ah, c'était tellement, ça faisait tellement gratiner. J'ai pris un truc pour percer. J'ai ouvert. C'était une espèce d'animal vivant. Dans mon corps ici. Elle est là. Hein? Pas qu'il était mort, il était vivant en train de. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, il pouvait pondre encore des œufs dedans. Oui, c'est pour dire que Dieu nous soutient. Et nous accorde la grâce. Nous devons voir le Seigneur dans tout l'endroit où nous nous trouvons. Et je disais cela, j'expliquais effectivement de Madagascar. Je dis, et quand je suis parti, je suis revenu, je disais merci Seigneur. Et puis, je pouvais respirer pour au moins lever la tête en haut pour regarder le ciel en pleine nuit en Afrique, Madagascar. Frères et sœurs, quand je regardais le ciel, j'ai dit, Seigneur, quelle beauté. Les étoiles, parce que jamais ici chez nous, est-ce que qui parmi vous a déjà levé les ciels la nuit, marcher, je vais regarder les étoiles? Non, les buildings sont tellement immenses et grands, on est toujours en train de voir, là, mais jamais. Mais lever la tête simplement, quand il fait tout sombre là, regardez les ciels. Mais c'est extraordinaire. Là, nous pouvons louer Dieu, dire, mais Seigneur, quelle ta grandeur tellement, tu es tellement grand. Oui, vous savez que les gens à l'époque, ils n'avaient pas de boussole. Lisez l'histoire de Marin. Mais ils regardaient les étoiles. Les étoiles guident bien les gens, effectivement. Mais c'est Dieu qui a placé cela dans les étoiles. Donc Dieu a fait... C'est-à-dire que dans n'importe quel seconde, quand on regarde auprès de nous, autour de nous, on peut louer Dieu. C'est pour ça qu'à chaque instant, nous avons dit, j'étais bénirai tous les jours de ma vie. Donc dans chaque moment, chaque instant dans ta vie, à toi, tu ne peux pas dire, je ne sais pas louer Dieu, non. Il y a quelque chose autour de toi qui te fera toujours penser à ces dieux, effectivement, pour maintenant lui exprimer, Seigneur, que ton nom soit béni. Alors là, dans l'Écriture, effectivement, là, Isaac connaît effectivement que Dieu m'a appris. Ah. Il m'a appris à moi à ne pas regarder comme souillé ce que lui a déclaré comme étant pur. Il m'a enseigné, effectivement, parce que j'avais dans ma tête beaucoup de choses. Mais là, je viens d'apprendre effectivement que non, il a un regard tout à fait différent. C'était puissant, mon frère et ma soeur. Mais disons, regardez tellement comment les choses sont effectivement ici. Actes au chapitre 10, regardez. Actes chapitre 10, je pense que c'est là. Ah voilà, verset 34. Il dit, je vais lire vite rapidement. Alors Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité, verset 34, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Donc, ne faut point exception de personne. Vous suivez? Il dit, mais quand toute nation, celui qui les craint, vous voyez cela? Rien que le craindra. Il dit, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est donc agréable. Ah oui, c'est merveilleux de pouvoir voir que les yeux de Dieu, il voit dans tout ce que l'homme est, peu importe la nature de cet homme. Mais lorsqu'il voit que cette chose... C'est merveilleux de voir combien Dieu, il aime l'homme en fait. Le désir de Dieu, ce n'est pas que l'homme puisse mourir. Bon, disons rapidement, regardez bien. Et puis il dit, et il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la
paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Donc c'est Jésus, hein, il est le Seigneur de tous. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Oui, sur toute la terre entière. Il est, là, il demeure le seul Seigneur. Parce que, mon frère et ma soeur, nous devons réaliser qu'effectivement, que c'est lui qui a fait l'homme qu'il soit ce qu'il est, c'est Dieu. Il n'y a pas un esprit ou un être humain ou quelqu'un qui aurait amené à l'existence un homme. Ah, que Dieu nous aide pour que nous comprenions effectivement aussi ce que Dieu est. Vous n'avez pas remarqué une chose, frères et sœurs. Je vais aller vite. Je vais quand même que vous puissiez comprendre. Vous n'avez pas remarqué une chose. Ce que Dieu a eu à pouvoir exprimer lorsque il a créé l'homme et la femme. Qu'est-ce que Dieu a eu à pouvoir dire? Nous lisons, regardez, c'est toujours dans Genèse, regardez. Genèse chapitre 1, je pense que c'est cela. Là, c'est cela. Voilà. Voilà. Regardez. Il dit ici, Genèse chapitre 1, verset 28. D'abord, verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 27, hein? Genèse 1, vous y êtes, non? Verset 28, il dit, Dieu les bénit, n'est-ce pas? Et Dieu leur dit, vous avez entendu? Soyez donc féconds. Et c'est comme je disais à une sœur, je pense, effectivement, Dieu ne t'a pas créé, toi, sœur, pour que tu sois stérile. Ah non, 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 non. Mais oui, c'est pour ça que vous devez avoir la foi quand on prie pour vous dire, arrière de moi, Satan. Dieu ne m'a pas créé pour être stérile. Chaque femme que Dieu... Mais c'est vrai, frère. Il est dit ici, non? Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est pour ça que la stérilité ne vient pas de Dieu, mais c'est l'ennemi, en fait. Mais oui, parce que Dieu a les désirs que la terre soit remplie. Et là, on arrive un peu, je ne vais pas prêcher dedans, je ne vais pas rentrer dedans. Vous avez les oreilles ouvertes? Parce que Dieu a dit, soyez féconds. Ce n'est pas le sujet, mais c'est parce qu'on est dans le... Soyez, allez donc, il dit, mais donc, soyez féconds. Il dit quoi? Et faire quoi? Il dit, remplissez donc la terre. C'est là qu'on arrive maintenant au contrôle des naissances. Ne soyez pas brusqués ou chauffez-vous parce que bon, vous savez, beaucoup de monde nous écoute. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, je parle aux frères et soeurs. Dieu a dit, multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez-vous. C'est l'ordre que Dieu a donné à son fils et à sa fille. Et toi? Il y en a les saints qui disent, oh, j'en ai deux, suffisant. Oui. Trois, c'est trop. Oui. Et puis avec tous les programmes que nous avons aujourd'hui, vous avez entendu la liste de stationnement. Ah, tu sais, frère, je travaille trop, et puis mon mari trop travaille. Et bon, et si on en a trois, quatre, qui va s'occuper de qui? Pensez-vous que Dieu ne sait pas ce qu'il dit? Non, Dieu sait ce qu'il dit, en fait. Nous avons un problème, nous. Et je vous pose une petite question. Si Jacob aurait utilisé ce corps, vous me répondez? Aurions-nous le 12 tribus d'Israël? Quand Dieu a appelé Abraham,
Ne vous fâchez pas, je sais que dans, quand vous êtes chez vous à la maison, ça commence à dire, oui, et c'est pourquoi ceci, et moi tu vois, Dieu connaît, même si c'est un souci quelque part, Dieu sait ce qu'il doit faire. Quand Dieu a appelé Abraham, ne vous fâchez pas, je sais que ça change, je ne vais pas rentrer dedans. Je ne sais pas, mais en passant simplement, parce que ce que je voulais lire était plus loin. Ne vous fâchez pas, je vois un peu comme si les visages commencent à venir un peu problématiques. Frère, la vérité est rapprochée, nous. Vous m'aimez encore? Je ne fais que vous lire les Saintes Écritures. Pour ne pas passer dans l'emprisonnement de Satan. Il est. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que le monde soit détruit. Il ne veut pas que les gens aient des adorateurs. Dieu ait des adorateurs. Mais par vous, Dieu veut avoir des adorateurs. Si Dieu t'a rendu fécond, gloire à Dieu. C'est Dieu que nous servons. Il sait jusqu'à quelle limite tu peux tenir. Oh frère, ma soeur, c'est parce que vous n'avez pas encore bien compris Dieu, ni connu, c'est la vérité. Alors des gens qui adorent Satan, ils viennent avec leur méthode de vous accepter. Ah, c'est bon, on te fait comme ça, voyez-vous, tu seras bien, tu peux aller facilement en vacances, nager tout simplement. Mais après avoir nagé, tu rentres à la maison, tu vas nourrir quoi, les chiens? Vous voyez? Aujourd'hui, quand je vois ma précieuse bien-aimée qui est là-bas assise avec les petits, n'est-ce pas que c'est un bonheur de pouvoir avoir, et là, là derrière, avec le rite que nous avons, n'est-ce pas un bonheur? Mais imaginez que tu avais mis la ceinture. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Satan, en fait, qui est en train de pouvoir simplement... Vous savez, ici, c'est un héritage, en fait, de pouvoir l'avoir. Bien sûr que oui. Maintenant, vous ne le réalisez pas. Mais c'est quand vous avancez en âge. Et qu'ils ont donc grandi. Alors vous réalisez le bonheur de pouvoir l'avoir. Vous vous entourez autour de vous, en fait. C'est comme une flèche dans le carquois de chasseurs, vous voyez. Ils sont là. Et c'est merveilleux, cela. Que le Seigneur puisse arriver à pouvoir faire. Et les faire, effectivement, pour. Qu'il fasse qu'effectivement, que dans la vie de tout un chacun, qu'on comprenne, effectivement, la pensée exacte de Dieu et qu'est-ce qu'il veut. Alors, comme le disait Abraham, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Lève les yeux, Abraham. Vous me regardez ici? Il dit, lève les yeux, Abraham. Il dit, regarde bien, dans le ciel, il n'y a que deux étoiles. Quand Abraham a levé les yeux, Dieu lui dit, compte les étoiles. Il y en a combien? Un, deux, non. Alléluia. Donc les ciels étaient remplis des étoiles. Il dit, mais quelle sera ta postérité? Abraham n'a pas dit, comment je vais les nourrir, par quel moyen? Il dit, non. Alléluia. Il rendit gloire au Seigneur. Il dit, mais que ton nom soit béni. Il a cru à ce que Dieu lui a dit. Bien sûr, mon frère. C'est une richesse pour un homme. Bien sûr que oui. Bon, je passe vite. Mais regardez, où je voulais arriver. Regardez bien. Et il dit ici une chose. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et qu'est-ce qu'il dit? Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà là où Dieu t'a donné la domination. Ouvrez vos oreilles. Est-ce que vous me suivez? Voilà là où Dieu t'a donné la domination, que tu puisses dominer. Mais sur quoi il t'a donné la domination? Sur le frère Jonas? Non, 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 on lit avec vous dans la Genèse, hein. Donc avant la chute, vous voyez très bien. Hein? Dieu n'avait pas donné la domination sur Jonas. Et toi, tu dois venir dominer sur Jonas. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas si vous saisissez. Parce que mon frère et ma soeur, quand on est en Christ notre Seigneur, je ne peux pas chercher, moi, à dominer sur ses frères. Parce que Dieu ne m'a pas donné cette autorité pour dominer sur lui.
Est-ce que vous comprenez? Si nous retournons, vous savez, les gens, c'est pour ça que vous ne voyez pas comment Satan, il est tellement rusé, il est tellement malin, on a l'impression de pouvoir se dire que quand moi, c'est comme ça que les gens disent, moi, je dois dominer sur tous les hommes, effectivement. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu t'a dit. Vous voyez pourquoi est-ce que Dieu dit, aimez-vous ardemment les uns les autres. Quand on a l'amour, est-ce qu'on cherche à pouvoir dominer? Et puis le Seigneur a ajouté une parole en disant, mais que chacun de vous, hein, vous savez, regarde l'autre comme étant au-dessus. C'est écrit dans la Bible. Vous ne faites pas attention, je ne vous entends pas tellement très bien. C'est écrit comme cela, non? Il n'a pas dit qu'un seul seulement puisse arriver à pouvoir dominer sur l'autre. Non, hein. Chacun de nous, je dois voir que Jonas, il est au-dessus de moi. Pardonne-moi, j'ai dit Jonas, mon frère Jonas. Il est au-dessus de moi. Et lui, quand il me regarde, il dit, ah, il est au-dessus de moi. Vous voyez comment ça se passe? Dieu est trop bon, frère. La parole de Dieu, elle est parfaite. Si simplement nous l'appliquons, on n'aura jamais de problème. Parce que c'est stable, on n'aura pas, oui, toi, sœur, tu dois directement avoir quand même du respect pour moi. Le respect ne s'oblige pas. Le respect ne s'exige pas. Le respect s'obtient. Ah, j'aime mon Jésus, il est bon. Je l'aime. Vous savez, frère, vous ne pouvez pas comprendre que Dieu nous aide à comprendre pourquoi nous devons aimer l'aimer. En fait, aimer l'aimer. Vous voyez, oui, parce que le pasteur dit non. Vous devez comprendre que, en tout cas, je dois vraiment l'aimer. Vous vous rendez compte que il est. La Bible dit que toute la plénitude. Vous me donnez du temps? Amen. Toute la plénitude de la divinité habite en lui. C'est écrit. Et c'est la vérité. Nous allons y arriver parce que je disais tout à l'heure dans l'acte, on va peut-être en revenir vite, sinon peut-être un autre jour. Il dit, mais tout a été créé par lui, et tout subsiste en lui. Mais qu'est-ce que nous lisons dans Ésaïe 53? C'est pour ça que le prophète dit, mais qui a cru à ce que nous avons annoncé? Parce qu'il dit, mais il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer. Et pourtant, frère, c'est la puissance de la puissance. Gloire à Dieu. Les démons, quand ils le voyaient, ils tremblaient. Ils se jetaient par terre. Oh, alléluia. Ils reconnaissaient l'autorité de ce Jésus. Mais quand il marchait, il était tellement si humble, frère. Alléluia. Oh, alléluia, mon frère. Toi, tu le regardais, tu le méprisais. Mais c'était la puissance qui a créé les cieux et la terre. Gloire au Seigneur Jésus. Mais dans l'humilité, mon frère, caché dans l'humilité. Simplement avec sa parole, la terre était brisée. Vous qui voulez être dominé, mais regarde quelqu'un qui domine. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide, mon frère, à comprendre que ce qu'il déclare dans sa bouche, il dit l'humilité précède la gloire, c'est 100% la vérité. Humilie-toi, il t'élèvera. Ah, nous sommes heureux, ma soeur. Si simplement nous pouvons voir. Vous savez, le Seigneur est en train d'agir dans l'intérieur de chacun de ceux qui sont à lui. Nous, au fur et à mesure que le temps passe, comme je l'avais dit l'autre fois, je vais lire. Je l'ai dit l'autre fois, c'est que. Alors vous avez mis la semence en dessous de la terre. S'il y a les germes de vie dedans, vous mettez même une brique au-dessus. Alléluia. Amen. La vie a une puissance, monsieur. Oui. Tu peux me mettre un béton dessus. La vie a une puissance. Quand elle sort, elle doit sortir. Que le Seigneur nous aide. Il dit ceci, dit Dieu m'a appris.
Nous lisons rapidement, puis je veux m'arrêter, et puis comme on dit que. Acte au chapitre 10, c'est cela. On peut dire, Dieu, oh, j'aime cela, mon frère. Il dit, eh bien, c'est grâce à toi, car toutes les nations, il est en train de dire, et puis vous savez ce qui est donc arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous vous souvenez? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Ah, que son nom soit béni. C'est merveilleux, cette façon dont il parle, où il exprime les choses. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque il parle, nous allons le lire, si je cours vite un peu pour le temps. Nous allons le lire. Regardez, c'est pour ça que je désire toujours votre attention. C'est que ça fait, c'est... Enfin, que le Seigneur nous aide à nous restaurer effectivement dans notre pensée, notre cœur, notre âme, ce que nous sommes. Parce qu'il nous a dit que si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qu'il devient? Et puis ensuite, et ensuite après, ah, ce qui veut dire que toutes les passions que nous avions, si nous sommes en Christ, nous soupirons après quelque chose qui est nouveau, hein? Ce qui fait que notre intérieur soupira plus à des choses anciennes. On n'a plus envie d'écouter les 45 tours que nous avons ici. Et maintenant, on écoute effectivement des choses qui nourrissent notre cœur. C'est pour ça que nous avons besoin des cantiques inspirées pour que nos oreilles entendent les choses qui nous attirent toujours vers le Seigneur. Mais le diable, il est rusé, lui. Il a fait ses chanteurs à lui, ses inspirateurs de lui-même, et qui vous mélange aussi en fait en parlant de ce Jésus, mais c'est tout à fait l'Okédias lui-même. Donc, nous prions que Dieu nous aide, afin que nous puissions comprendre qu'effectivement, que les esprits charnels dans ce monde, des gens qui étaient des chanteurs, hein, qui chantaient tout le temps les femmes et tout ceci et cela, eh bien, du jour au lendemain, il vient vous dire effectivement que nous, nous chantons Dieu. Et puis j'avais entendu, ça on me l'a dit, il était chanteur dans ces orchestres que vous connaissez là. Et maintenant, il dit maintenant que j'ai cru. Et puis quand il est venu, il est béni. Et pour ça, quand on dit qu'ils sont occupés, c'est qu'ils viennent directement, même quand ils quittent le monde avec les guitares, tout ça, ils viennent. Et puis directement, ils cherchent une chaire pour pouvoir prêcher. Alors il y en a un comme ça qui a fait sa Bible. Après avoir, je crois que c'était après avoir fini ou bien quand il venait. Non, non, c'était après avoir fini de pouvoir. Et puis il descend. Alors les gens qui étaient dans l'église, évidemment, ils les regardaient. Parce que bon, à l'époque, il était un chanteur connu. Et puis quand il a fini, bon, tu parlais, évidemment, bon, les gens sont restés tranquilles. Et puis, il s'élève et dit, mais comment est-ce possible que les gens ne me connaissent pas? Il dit, pourquoi? Il dit, mais non. Moi, quand je rentre, il faut que les gens viennent avec les papiers pour que je signe aux autographes. Et ici, il ne bouge pas pour que je puisse signer les autographes. Il s'est trompé de période. Non, cet esprit démoniaque reste toujours, mais avec une toute couverture. C'est ça le grand problème. Mais nous prions que Dieu accorde la grâce. C'est important pour chacun de nous de pouvoir considérer les choses de Dieu de la bonne manière. Et comme nous disons, nous avons besoin d'avoir des cantiques. Frères et sœurs, dans votre journée, ne restez pas à pouvoir écouter. Je sais que vous avez souvent sur vos smartphones, des ceci et cela, des choses que vous écoutez, même des rigolades, des gens qui parlent des Dieu. Vous savez, ça ne vous édifie en rien, en fait. Cherchez quelque chose que vous écoutez, qui vous place dans cette atmosphère, parce que la journée, on a eu des problèmes, surtout quand on a passé des examens parfois difficiles et tout ça. Mais en cet moment, après l'examen, tu te mets en fait là, tu penses à Dieu, tu te mets à genoux, ne fût-ce que même pendant 45 minutes, à prier, vous sentez comme un souffle de fraîcheur. Vous savez que être toujours sur les réseaux sociaux, ça fait monter la tension. Hein? Tout le temps là-dedans, tout le temps dedans. Vous passez de celui-ci, vous passez de celui-là. Le diable, il est vraiment malin. Il en a tellement multiplié que tu regardes les vidéos ici, tu vas sur les tactiques et puis tu vas sur les plaques. Non, c'est vrai.
Oui, les plaques et les plateaux. Il y en a tellement de plateaux maintenant que vous pouvez en choisir autant. Donc tu peux même dormir avec. Et puis toi-même, tu deviens compositeur aussi avec ta plateforme, non? Parce que tu veux avoir aussi des adorateurs qui viennent chez toi pour liker. Mais c'est ça. C'est ça que vous ne vous rendez pas compte. Hein? Vous voulez que les gens vous suivent avec ça. C'est quoi? Vous devenez une star, non? Ah, vous n'avez jamais prêté attention. Mais Satan, il est tellement menteur. Vous, parce que quand vous mettez les vôtres là, il faut qu'on voit que vous, alors là, hein, vous avez, que Dieu nous aide. Je vais dire rapidement. Il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la journée. Puis, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Verset 9 dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple. Il ne voulait pas faire du spectacle. Hein, pour dire, vous voyez, moi je vous l'avais dit, et maintenant j'avais dit, dans les scènes qui étaient parties de moi, que si vous me détruisez, je ressusciterai. Voilà, je vous l'avais dit, je suis ressuscité. Regardez-moi partout. Regardez-moi. Il n'a pas fait ça. Ça doit beaucoup nous instruire. Quand Dieu te donne un don, même quand c'est pas pour t'exposer et te faire passer pour les plus grands dans le ministère plus grand. Non, c'est sinon, frère. C'est important qu'on sache que quand on commence à pouvoir se sentir beaucoup plus important que les autres, alors Dieu s'écarte. Pourquoi? Parce que l'homme veut se faire voir, l'homme veut qu'on puisse le voir lui. Alors si on doit te voir toi, mais Dieu n'a plus de place. Alors si Dieu s'écarte, eh bien, qui aime tellement qu'on le voit le plus et faire des affaires? Vous connaissez, si Dieu s'écarte, les remplaçants, vous connaissez. Donc il n'y a pas d'explication à donner. Et donc, tu n'as pas dit, mais Dieu, c'est le troisième jour, il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Vous savez qu'il a dit que le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Vous suivez cela? Maintenant, écoutez, il dit, donc, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous. Donc à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut donc ressuscité de mort. Mais voilà maintenant, après d'avoir parlé maintenant, voilà comment Pierre va placer quelque chose de tellement puissant. Et ça, ça a bouleversé tout en fait. Ah oui mon frère, oui ma soeur. Ça a introduit un changement aussi puissant. Déjà depuis les débuts qu'il a eu à pouvoir montrer en disant que Dieu m'a appris. Vous connaissez cela? Et là, il leur parle effectivement, montrant ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire, effectivement, comment Dieu a eu à pouvoir l'utiliser, effectivement. Et puis, il arrive à un moment, parce qu'il a parlé, effectivement, ils l'ont tué, il est ressuscité le troisième jour. Et puis, le verset 42, je pense, il dit, « Et Jésus !» Vous entendez cela? Donc maintenant, il place les choses encore davantage dans la réalité, c'est-à-dire dans le présent. Donc dans le présent de l'action dans laquelle et pour laquelle cet homme se trouve dans cet endroit-là. Parce que ce qui pouvait arriver, avoir dit, mais oui, ça s'est passé, effectivement, il a fait dire, bon, maintenant, voici ce qu'il fait dans le présent. Et il dit, et Jésus nous a ordonné. Il dit ceci, il a ordonné de prêcher au peuple. Donc à nous, il a ordonné de prêcher au peuple. Et puis il dit, et d'attester, écoutez très bien que c'est lui. Donc on doit prêcher et attester et certifier que c'est Jésus-là. Que qui, que quoi dit, mais que c'est Jésus-là, qui dit que c'est lui, pardon, qui a été établi. Donc lui-là, c'est Jésus-là. C'est Jésus-là, il a été établi. Alléluia. Par Dieu, n'est-ce pas? Écoutez très bien, que Dieu te bénisse. Écoutez bien, il a été établi par Dieu. Qui ça? Il est juge de vivants et de morts. Alléluia. Mon frère et ma soeur, c'est Jésus-là, il est ton sauveur. Non seulement il est ton sauveur, mais même à la barre du jugement,
C'est lui qui est le juge. Il juge le vivant. Il juge aussi le mort. Alléluia. Mais écoutez, mon frère, dans Jean chapitre 5, regardez. Jean chapitre 5, il nous dit ici une chose. Regardez très bien. Pour que nous comprenions pourquoi mon âme est tellement dans la joie. Regardez très bien. Jean chapitre 5, regardez bien. Nous lisons le verset, je peux lire à partir du verset, verset 19. Il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. J'aime cela. Nous allons continuer. Mais je m'arrête un peu là. Vous voyez, il dit, mais il ne peut rien faire. Il ne sait que ce que le Père lui montre. Et tout ce que le Père fait, alors le Fils le fait aussi pareillement. Ça veut dire qu'il y a une unité. Amen. Le Père est dans le Fils. Et quand on est un, alors à ce moment-là, effectivement, je vous ramène à quelque chose, effectivement, aussi. Quand vous pouvez comprendre pourquoi il a prié pour notre unité. Et cela s'est passé les jours de la Pentecôte. Ah oui, ces hommes et les femmes ne s'étaient pas entendus. Mais regardez l'action de la parole de Dieu dans ces personnes, en réalité. Il dit, ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Maintenant, continuons. Et puis il dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez donc dans l'étonnement. Verset 21 dit, mais car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le Fils qui donne la vie à qui il veut. Donc, c'est pour ça qu'il disait dans sa prière, il dit, mais qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Et puis, regardez très bien comment il exprime les choses, effectivement, dans Jean 17. Il dit, ah. Il dit ceci, verset 3, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. En fait, Jésus est qui? Jésus est vraiment qui en réalité? Parce qu'il dit qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Peut-être pour encore éclairer, nous retournons au chapitre 5. Regardez le verset 21, il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Alors, doit-on avoir deux personnes qui donnent la vie? Est-ce que vous voyez, frère? Doit-on avoir deux personnes qui donnent la vie? Non. Il faut que la vie, parce que je peux encore aller plus loin, est-ce qu'il y a deux vies éternelles que le Père doit donner et puis le Fils donne aussi notre vie éternelle? Nous savons qu'il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est éternel lui-même. Moi, je ne peux pas vous donner la vie éternelle. Il n'y a que l'Éternel qui peut donner aussi la vie. Et le Fils dit à qui il le veut. Maintenant, regardez, frère. Le verset suivant, il dit, le Père ne juge personne. Or, nous savions que dans l'Ancien Testament, Dieu est le juge.
Oui, parce que dans l'Ancien Testament, tout ce qui... Maintenant, on nous dit effectivement ici qu'au chapitre 5, ça dit, mais le Père ne juge. Donc là, nous comprenons que le Père ne peut plus juger. Il dit bien, c'est pas moi qui dis, mais il ne juge personne. Donc si le juge n'est plus là, alors comment ça va se passer maintenant pour les jugements? Parce que les juges, Dieu, il dit le Père, parce que le Père c'est Dieu. Et comme il ne juge personne, donc il ne va plus juger quelqu'un. C'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? Il dit bien, le Père ne juge personne. Mais il a réuni quoi? Tout jugement au Fils. Donc les juges maintenant, qui doivent juger les vivants et les morts, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus. Maintenant écoutez la suite, mon frère. Il dit ceci. Afin que tous honore le Fils comme ils honorent qui c'est? Alors si tous doivent honorer le Fils comme le Père, alors ça veut dire quoi? Que le Père et le Fils. Est-ce que vous comprenez? Ah bien sûr, mais s'ils honorent le Père comme le Fils, effectivement, honorent le Fils comme le Père, ce que le Fils est le Père. Est-ce que vous comprenez? Maintenant regardez, il dit ceci. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est lui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alors, je vous pose la question, on va savoir. Alors, quelle serait la place des trinitaires? Parce que les trinitaires, ils ont placé Dieu étant au-dessus, et que Jésus de Christ, effectivement, est le Fils, comme ils le disent, effectivement, aussi. Et puis, la troisième partie aussi, c'est le Saint-Esprit. Alors, et quand il chante même, il dit, gloire au Dieu très haut, le Père, effectivement, et puis au Fils, comme ils disent, effectivement, que le Fils éternel. D'ailleurs, si vous lisez votre Bible, effectivement, je ne pense pas qu'on va trouver ce qu'on appelle Fils éternel. Parce que Fils éternel n'existe pas. Parce que s'il existait, alors il y aurait un problème. Vous savez ce que ça veut dire fils, non? Et pourquoi ainsi, n'est-ce pas? Alors, là maintenant, il dit, celui qui n'honore pas, regardez très bien, celui qui n'honore pas le fils, n'honore pas le père qui l'a envoyé. Verset 24. En vérité, je vous l'ai dit. Vous suivez maintenant? C'est lui qui écoute la parole du père. Non, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc maintenant vous comprendrez, frères et sœurs, pourquoi on dit que le croyant, le véritable croyant, c'est important cela, ne pourra pas passer à la barre du jugement. Donc, un fils de Dieu, il ne peut pas être jugé. D'abord, pour quelle raison? Pas parce qu'il est devenu le super. Non, parce que c'est lui qui est le juge. C'est celui qui est son sauveur. C'est celui aussi qui est son Dieu. C'est celui qui lui adore sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est, regardez très bien comment Dieu est parfait, frères et sœurs, d'avoir manifesté effectivement sa miséricorde. En fait, c'est lui qui est venu pour pouvoir réellement aussi t'apporter le pardon. C'est celui-là qui est juge. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est lui qui défend ta cause. Alléluia! Jusqu'aujourd'hui, c'est celui-là qui jugera. Alors, voilà la chose qu'il faut comprendre, frère. Pour que moi, je ne puisse pas passer par cette période de jugement, je dois avoir cet homme-là comme ami. Amen. Si moi, je suis l'ami des juges, est-ce que vraiment les juges vont me condamner? Bon, non seulement maintenant, parce que c'est un peu extrapolé, non seulement maintenant, mais les juges en question, il est mon père. Vraiment.
Ce juge en question, il est mon défenseur. Alléluia. Ce juge en question, il est mon avocat. Mon frère et ma soeur, c'est important que tu comprennes la raison pour laquelle toi et moi, nous sommes appelés à pouvoir l'aimer, le recevoir pleinement dans notre âme. Que quand je suis assis ici et que j'entends parler de lui, je ne peux pas être insensible. Frère, je perds mon temps pour le Seigneur. Donne-moi beaucoup de millions. Donne-moi des femmes. Donne-moi les hommes. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez entendu, frère? Mon désir sur la terre, c'est de pouvoir avoir ce Jésus-là. Ah, s'il est à moi, frère, il dit, si Dieu est avec nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous savez, les hommes sur la terre peuvent vous juger. Leur jugement est humain. Mais le seul qui donne les jugements a des conséquences sur ta destination. Ah oui, les gens peuvent te regarder. Ils vont te critiquer, ils vont te juger, il n'est pas un chrétien. En fait, le seul qui connaît qui est vraiment un chrétien, c'est pas moi. C'est Dieu lui-même. Ah oui. Alors, maintenant, réalisez effectivement ce que c'est Jésus est. Il est en fait tout pour toi. Il est le juge. Vous voyez, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait à Timothée, dit, Timothée, prêche la parole. Vous comprenez maintenant pourquoi on insiste sur la parole quand on dit, vous aimez tant aller sur des ceci, écouter tout ce qu'on appelle des... Je termine par là. Et quand on vous parle, oh mais les frères, ceci et cela. Frères et sœurs, quand vous écoutez des choses qui ne sont pas des dieux et des hommes qui ne sont pas des dieux, ils peuvent être bons comme du chocolat, il n'y a pas de problème. Mais votre finalité à vous, c'est la barre du jugement. Est-ce que vous comprenez? Le Père a remis tout au Fils. Mais qui est le Fils? Au commencement était... La parole était avec Dieu. Et la parole était... Dieu. Vous méprisez la parole sur la terre. Vous le trouverez au jugement, là-bas, de l'autre côté. Vous faites ce que vous voulez sur la terre. Vous ne voulez pas ce que la parole. Parce que sur cette terre, c'est la parole, qui, c'est la grâce que Dieu nous a accordée, frère, de pouvoir être éclairé. Non, je ne sais pas, mais je m'arrête parce qu'il y a le temps. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas. Je disais, Seigneur Jésus, comment est-ce que. Je pleure beaucoup, vous ne vous rendez pas compte. J'ai dit, Seigneur, comment ce peuple ne peut même pas arriver à pouvoir réaliser. Et surtout qu'en plus, on a des dons que Dieu peut. Nous en avons un ici. Amen, amen, amen. Vous venez avant lire les témoignages de la sœur. Vous avez entendu ce que la sœur a dit. Mais de lui. Oui, amen. J'ai voulu qu'il lise exprès. Loin, notre sœur Mélanie. Loin! Loin. Donc il dit que je dors, je me réveille, puis les cantiques, j'ai dit que Dieu est béni. C'est pour dire que le don est en action. Regardez comment on reçoit ça. C'est qu'on dit, bon, on connaît, c'est vous ne vous rendez pas compte de ce que Dieu. Et vous aimez tant tellement les gens qui sont sur Internet, là, qui vous composent des choses inutiles. Frère, vous avez des dons. Guida, voilà. Nous avons Gislain, nous avons notre abassement du piano. Cet enfant, vous connaissez Héritier, non? Vous connaissez les témoignages. Je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Vous connaissez les témoignages. Tout le mercredi, c'est un fond ici, venez ici. Sa maman, j'ai les gens, mais sa maman, parce que j'avais regardé en ce moment, sa vidéo aussi. Et sa maman dit, mais pasteur, je ne vois pas hérité. Je ne vois pas tellement. Il est où? Un jour, je venais ici, je priais dans mon bureau, il ne savait pas. Je sors comme ça, j'entends. C'était le mercredi où maman cherchait l'enfant. Et je regarde comme ça, le bonhomme était assis là avec le piano. Il s'est battu pour pouvoir trouver comment les mélodies viennent, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Puis j'appelle la maman, je dis, non, ton fils, il est à l'église. À l'église? Il dit, mais oui. Il répète le piano, appelle-le, tu vas voir, répète le piano. Aujourd'hui, j'aime Dieu, vous aussi et moi, frère. On devait entrer ici, dire que ton nom soit béni. On se lève et dit, mais Seigneur, nous sommes des témoins. Des voix qui n'ont pas été loin, mais ils sont là tout simplement comme des. Ils ont commencé, chacun de tout son cœur. Et voilà, Dieu, on voit les dons. Le vrai don. Amen.
en action, les cantiques qui sont composés, vous connaissez effectivement Myriam, si c'est Myriam, si c'est Myriam. Si c'est Myriam. Et ça, c'est le cœur de la sœur Mariette. Vous vous rendez compte, la sœur Mariette, sa sonnette était la cantique de Marie. Tous les matins, je me réveillais, c'est toujours la voix de Virginie, c'est pas possible. Non, là, mais c'est sérieux, quand on appelle Marie, moi, je vivais avec Marie. Et c'est quoi? Tu me sondais, tu me connais tout le temps. Alors on finit. C'est pour dire que nous changeons de don. Elle s'est réveillée en train de pouvoir chanter. C'est votre sœur Alice. En train de pouvoir chanter un cantique dont on ne connaissait pas tellement très bien ce que ça voulait dire. Et pensait, je ne savais pas, mais c'est vrai. Et se réveille, il dit, mais Seigneur, et les cantiques commencent à pouvoir monter dans son cœur. Et il y avait des cantiques, un cantique un peu comme étranger, des langues étrangères, elle. Il dit, je me suis réveillé avec ça dans mon cœur. Je dis, vois, ma soeur. Je suis réveillé avec ça. Dieu connaît chacun de vous. Dieu connaît chacun de vous, mon frère et ma soeur. Nous avons besoin, je m'arrête. Nous avons besoin de revenir à notre premier amour. Où on ne s'occupait pas à gauche ni à droite. Bien sûr, on allait au travail, mais notre pensée, tout ça n'était que Dieu lui-même. Et vivement le soir pour me retrouver. Vous savez, à cette époque-là, tous les jours. Ah, on avait la prière. On priait. Oui, voilà les anciens connaissaient. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il y a notre soeur Mariette qui avait chanté un cantique ici avec son groupe. Le lundi, je suis. Et mardi, je suis. Vous connaissez cela? S'ils peuvent nous chanter encore ça, les guidons, hein? Les vendredis, nous allons prier.